Bonsoir mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. Je vous invite ce soir à un voyage sur une île magnifique où vous allez pouvoir vous reposer et vous ressourcer et peut-être faire une rencontre magique. Je vous invite tout d'abord à vous mettre dans une position confortable, une position où vous n'aurez aucune tension. Vous pouvez vous allonger, mais essayez de ne pas vous endormir pour profiter de ce voyage. Pour éviter l'endormissement, vous pouvez, si vous le souhaitez, replier les jambes, c'est-à-dire rapprocher vos genoux, ou plutôt vos talons, vers vos fessiers. Fermez les yeux. Coupez à présent la radio de votre mental. Oubliez la journée et les petits tracas. Vous allez prendre trois grandes inspirations, suivi de trois expires. L'inspiration se fera par le nez et vous relâcherez l'air par la bouche. C'est à vous. Reprenez à présent une respiration normale. Prenez attention à l'air rentrant par vos narines, cet air frais qui rentre à l'intérieur. Et prenez attention également de l'air qui ressort par vos narines, qui est un peu plus tiède qu'en rentrant. Gardez votre attention sur ce que vous ressentez, sur cette plénitude qui envahit votre corps petit à petit. Si une pensée survient, surtout, ne la retenez pas. Ne culpabilisez pas non plus. Cela peut arriver. Notre mental a du mal à couper toute pensée. Accueillez-la et laissez-la s'envoler sans vous y attacher. Soyez à l'écoute de votre corps. Ressentez tous ces muscles qui petit à petit prennent place, se détendent. Sentez peut-être cette chaleur qui vous envahit doucement.
Votre front se déride petit à petit. Desserrez cette mâchoire qui est tendue. Arborez un sourire qui se dessine sur vos lèvres. Vous êtes à présent très détendu. Votre respiration se fait de plus en plus calme. C'est un apaisement général qui vous envahit. Gardez votre attention sur votre respiration, sur votre corps et les sensations. Vous êtes à présent bien calme et nous allons pouvoir partir pour ce voyage. Imaginez à présent que vous embarquez sur ce beau bateau qui vous attend sur ce rivage. Vous montez, vous enjambez le bateau, comme par magie, le voilà qui se met en route. Il va de plus en plus vite. Vous ressentez cet air sur votre visage. Vous vous asseyez sur le banc afin de ne pas tomber à cause de la vitesse. Le soleil brille et vous sentez ses rayons vous caresser le visage. Votre visage est éclaboussé par les embruns que fait le bateau en avançant sur cette mer. Le ciel est bleu, d'un bleu magnifique. Vous fermez les yeux pour apprécier un petit peu plus le voyage. Vous arrivez tout doucement vers une île que vous voyez au loin. Le bateau ralentit. Le voilà qui s'approche du rivage. Vous pouvez alors enjamber doucement ce bateau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable où viennent s'échouer les vagues. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous pouvez marcher juste en vous mouillant les pieds. Vous avancez sur cette plage. Le sable est chaud, vos pieds s'enfoncent, vous êtes pieds nus. Et vos pieds s'enfoncent dans ce sable au fur et à mesure que vous avancez. Cette île est magnifique. La plage est interminable d'un sable fin magnifique. Vous regardez au loin la végétation. Des palmiers, des fleurs magnifiques, des orchidées. Il y a une nature verdoyante en abondance. Vous marchez sur cette plage, tranquillement, doucement.
en laissant vos pieds s'enfoncer dans le sable. Une légère brise souffle. Vos cheveux s'envolent au vent. Le soleil, lui, est toujours aussi brillant et vous réchauffe. Cette plage est magnifique, cette île est splendide. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez apaisé. Vous êtes en sécurité. Vous savez qu'ici, rien ne peut vous arriver. Vous êtes dans un havre de paix. Vous longez le rivage, tranquillement, tantôt, en laissant vos pieds au sec sur ce sable brûlant, tantôt, en marchant là où les vagues viennent mourir, sur ce sable. Votre pas est léger. Vous vous sentez bien. Vous ramassez par terre un magnifique coquillage qui est là, qui vous attend. Vous le gardez précieusement. Vous entendez au loin des oiseaux chanter. Il doit y en avoir des milliers car leur chant est majestueux et viennent jusqu'à vos oreilles. Pourtant, cette île a l'air grande. Votre promenade continue le long du rivage. Vous allez à présent vous allonger sur le bord de cette plage afin de profiter au mieux de ce soleil et de cette brise qui vous caresse le visage. Vous allongez tranquillement. Vous accoudant sur vos avant-bras. Afin de profiter au mieux de ce magnifique paysage. Au loin, dans la mer, vous voyez un banc de dauphins qui sautent, qui s'amuse et qui crie en jouant. C'est un ravissement pour les yeux que de les voir. Des mouettes volent au-dessus d'eux et se laissent bercer par le vent qui les entraîne. Vous êtes au calme, vous êtes bien. Il n'y a plus aucune peur, plus aucune angoisse, plus aucun tracas qui vient vous assaillir. Vous vous sentez en paix, en liberté. Vous prenez quelques instants pour écouter le silence de la nature. Les oiseaux au loin continuent de chanter. Ce merveilleux chant vous berce et vous ravit. Vous vous allongez à présent complètement et vous fermez les yeux, vous abandonnant sur cette plage. Vous sentez la chaleur du sable sous votre corps. Vos mains jouent dans le sable. Vous laissez glisser le sable entre vos doigts. Vous ressentez tous ces grains si fins et légers qui caressent votre peau. C'est le calme absolu, la sérénité, la plénitude. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. C'est vrai que les voyages en ce moment sont compliqués.
mais cette petite méditation vous permet d'en faire un pour vous ressourcer et retrouver la paix en vous. Vous vous relevez, mais restez assis au bord de cette plage. Vous contemplez le paysage. Vous tournez la tête sur votre droite et là, au loin, sur le bord de la plage, vous voyez que quelqu'un arrive. Il y a comme une lumière magnifique qui l'entoure. C'est votre guide qui a un message pour vous. Vous le voyez au loin s'avancer, mais vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est cet être merveilleux qui vous accompagne au quotidien. Cet être sur qui vous pouvez compter. Cet être de lumière magnifique qui brille sur cette plage. Vous le reconnaissez, vous savez que c'est lui. Vous n'en avez aucun doute. Il s'approche et se rapproche de plus en plus de vous. Cet instant est magique, unique. Il y a un halo de lumière qui l'entoure. Le temps semble s'être arrêté. Il s'approche de vous. Vous vous relevez pour l'accueillir. Il vous tend ses mains et vous mettez vos mains dans les siennes. Vous le regardez droit dans les yeux, vous vous sentez transpercé, vous sentez cet amour inconditionnel qu'il a pour vous, cela vous transporte. Il vous tient par les deux mains et vous restez ainsi quelques instants à le contempler. À vous regarder tous les deux. C'est alors qu'il vous délivre un message. C'est un message unique pour vous et je vous laisse quelques instants sans parler pour que vous puissiez écouter le message qu'il a à vous donner. Ce message important que vous êtes prêt à écouter aujourd'hui. Laissez votre guide vous parler. Je vous laisse quelques instants. Le message que vous venez de recevoir vous a peut-être ému aux larmes. Vous êtes profondément touché. Cet être merveilleux qui vous regarde vous porte un amour incroyable et vous ressentez cet amour qui passe à travers vous. Mais ce moment magique et unique doit s'arrêter. Votre guide doit repartir, mais vous savez qu'il ne sera jamais loin.
approche ses lèvres sur votre front et y dépose un baiser que vous accueillez avec gratitude. Il vous regarde encore quelques instants dans les yeux afin que vous compreniez tout cet amour qu'il vous porte. Puis, lâchant vos mains, il se détourne de votre regard, vous laissant tranquillement. Il repart sur ses pas et vous voyez cette lumière petit à petit diminuer et disparaître doucement. Vous vous retrouvez seul sur cette plage avec cet amour immense à l'intérieur de vous. Votre guide est parti, mais vous savez qu'il ne sera jamais très loin. Vous savez que vous pouvez faire appel à lui à tout moment. Il vous guide. Il vous protège. Vous pouvez lui confier vos secrets et tout ce que vous avez sur le cœur. Ce moment, ce voyage, touche à sa fin. Le bateau qui vous a mené jusqu'ici revient. Vous le voyez au loin, avançant sur la mer. Il accoste près de vous, vous enjambez afin de monter à l'intérieur. Vous vous rasseyez sur le banc arrière et le voilà parti. Vous tournez la tête afin de regarder cette île magnifique, ce havre de paix où vous étiez quelques instants. Un bref instant qui a été magnifique, magique et qui vous a ressourcé entièrement. Ce bateau vous ramène tranquillement. Vous profitez encore quelques instants de ce vent qui fouette votre visage, de ce soleil magnifique qui brille et vous réchauffe. Et vous revenez petit à petit dans votre corps, ici et maintenant. Vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous reprenez conscience des sensations de votre corps. Mais rien ne presse aller à votre rythme. Vous pouvez commencer à bouger les doigts. Bougez vos pieds, à bâiller, à vous étirer. Prenez le temps qu'il faut. Écoutez juste votre corps. Revenez tranquillement dans l'ici et maintenant. Vous revenez rempli de paix, de sagesse, de lumière, ressourcée, régénérée, avec ce message de votre guide que vous gardez à l'intérieur de votre cœur. Vous savez qu'à partir de maintenant, plus rien ne sera jamais comme avant. Rempli de cet amour et de cette sérénité, et tranquillement reprendre vos activités.
Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Merci pour votre écoute. Cette méditation, ce voyage, vous a été dicté par moi-même, en inspiration tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.